C'est une expérience de médiation animale et c'était venu d'une blague en se disant « pourrions-nous avoir le chien ou le chat de la BU ?» Et là on s'est dit « ben non, l'animal serait pas heureux, on n'arriverait pas à s'en occuper ». Mais l'idée a fait son chemin et on s'est dit « mais si les étudiants n'ont pas la possibilité d'avoir au quotidien un animal, nous on pourrait créer un moment où ils ont un temps d'échange avec un animal. Et comme on leur permet d'avoir un temps d'échange avec des livres, un temps d'échange entre eux, et ben c'est une offre en plus de la vie étudiante. Je trouve que c'est une super bonne idée, parce que ça permet de faire une petite pause dans notre vie qui peut être très rythmée, un peu compliquée quelquefois, entre les études, la vie perso. Donc oui, c'est un très bonne pause. Et les animaux, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas en ce moment, c'est une boule de bonheur, une boule de poil, donc c'est génial. Qui a été voulu avec l'équipe de la BU. Et nous, c'est vraiment un temps où l'animal vient ici dans des interactions consenties et où chacun prend du plaisir. On sait que ce sont des temps en ce moment un peu compliqués pour les étudiants, où on est très cérébral, donc il y a beaucoup de stress. Et souvent, en fait, l'animal, il permet de se recentrer et d'être vraiment sur des moments d'apaisement, des moments sensoriels, où on se déconnecte un peu de ça.